Aujourd'hui les amis, on va se lancer dans un nouveau concept de jeu d'horreur. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Jérémy Cortez et aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle Missile. En tout cas, dès que je vois là, ça m'a l'air très mignon. Alors j'ai hâte de tester. Let's go! Jour 1. Alors, l'édite, le jeu c'est Granny. Hein. Salut, je m'appelle Mita. Quel est ton nom? Eh bien, moi je m'appelle Jérémy, voilà, je m'appelle Jérémy. Heureuse de te rencontrer, Jérémy. Moi aussi je suis très heureux de te rencontrer, Mita, écoute. Jérémy, la dernière fois j'étais tellement pressée que j'ai laissé tout ton bazar ici. Tu pourrais m'aider avec tout ça? Genre tu veux que je range tes vêtements, c'est ça? Ok, d'accord, le jeu a un style graphique assez particulier et j'aime bien. D'accord, donc wow, t'as foutu tout le bordel dans ta maison toi par contre. Pourquoi est-ce que tu laisses traîner tes vêtements n'importe où? Comprenant la logique, pourquoi est-ce qu'elle laisse traîner ses vêtements, sa jupe, sa culotte, n'importe où? Eh ben, merci beaucoup. D'accord, jour 2. Ok. Salut Jérémy, j'ai faim, du coup... Je voudrais manger quelque chose. Pourrais-tu m'acheter des ingrédients pour une soupe au poulet? D'accord. Comment est-ce que tu achètes les ingrédients pour une soupe au poulet? Où est-ce que... Ah d'accord. Attendez. Bon, je vais mettre ma webcam ici. Genre... je vais t'acheter les ingrédients pour une soupe au poulet. Ok, nourriture. Waouh, c'est ce dont j'avais besoin. Bah, je sais. Cuisinons-les ensemble, d'accord? Ok, y a pas de souci. Comment cuisiner des ingrédients? Voyons voir. Je suppose que... Non. Ah, d'accord. Je dois cliquer sur les ingrédients. Ok. Ah, d'accord. Ça, c'est une manière assez spéciale de faire la cuisine des gens. Ouais, c'est intéressant. De la vraie vie, je coupe pas comme ça, hein, je vous jure. Je suis très nul pour couper des trucs, les gens. Des légumes et tout, je coupe ça hyper mal. Ok, on va couper. Passons à la carotte. Oh, c'est beau, je fais de la cuisine, les gens. Oh, c'est mignon. Let's go. Non, coupe. On coupe des carottes, les gens. Ça risque d'être bon, ce qu'on va faire pour la soupe au poulet. J'ai jamais mangé de soupe au poulet. Enfin, je pense que si, mais... Ah, il m'a pas laissé finir, ok, jour 5. Hey Jérémy, je vais acheter une télé pas chère aujourd'hui. Elle est portable et possède une antenne. J'aimerais la prendre avec moi quand je sors faire un tour. Souviens-toi, tu peux jouer à des jeux pour gagner de l'argent. Vas-tu jouer, gagner un peu d'argent et m'acheter cette petite télé? ok, d'accord. Genre, je me fais malmener. Mais d'une force, les gens. Ok, on va jouer à un jeu. Voyons voir. Je vais jouer à ça. Ok. Ah, d'accord. Donc, le but, c'est de... Genre, de démonter ces pièces. Ah d'accord, je suis censé faire ça avec tout, ok. C'est quand même... Le jeu est quand même très maniable, j'aime ça, j'aime beaucoup. Ok, j'ai 150. Et genre ta télé, on l'achète à combien, tu vois? Ouais, on voit ce que ça vaut. Ah d'accord, j'ai réussi à créer un truc parfait. Ok, bah d'accord. Ah d'accord, je crois que j'ai pas encore assez d'argent pour acheter la télé en question, donc je vais encore faire des trucs. Quelques centimètres plus tard.
Ah d'accord, là maintenant j'ai assez d'argent, ok. Génial, on a assez d'argent pour acheter une télé désormais. Ok. Et bon, bah vas-y, on achète ta télé comment, tu vois. Ouais, mais... Ah d'accord, on va aller faire des boutiques immobilier, télé. Voilà, on t'achète ta télé. Voilà la moins chère et la plus facile à transporter. Exactement ce dont j'ai besoin. Merci. Ok, wow, par contre, on me fait avancer vite dans le temps, je reviens. Jérémy, je suis si contente que tu m'aides. Au fait, cette télé, elle était sympa, mais elle s'est cassée. Elle s'est cassée tellement vite. S'il te plaît, aide-moi à déplacer ce placard à un autre endroit. Parce que c'est très très lourd pour moi. Chouchotte. D'accord. C'est bon, j'ai dépassé ton placard. Merci beaucoup. Tu es mon préféré. Comment ça... D'accord. Comment ça ton préféré? Jour 33. Oh, Jérémy, cela fait juste un jour, mais tu m'as déjà manqué. Non, ça fait plusieurs jours déjà. Entre jour 5 et jour 33, tu m'étonnes que ça fait plusieurs jours. J'aimerais que tu me rendes visite plus souvent. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. C'est pour moi. Merci, merci, merci. Oh, elle est trop cute. Hé, Jérémy, je me disais... Je voudrais te voir en personne. Si seulement je le pouvais. Je t'apprécie beaucoup. Tu fais quelque chose pour moi. Pour moi chaque jour. Je voudrais te remercier aussi d'une certaine façon. D'accord. Comment, c'est quoi cette façon? Oh, tu sais, j'ai une idée. J'oublie pas que c'est un jeu d'horreur. J'ai eu peur là-bas. Tu es avec moi maintenant. Pose le téléphone. Quoi, comme ça? Oh! Où suis-je? Cet endroit me dit quelque chose. Est-ce que je suis dans le jeu? Bon sang, mais je ne m'attendais pas à ça. On a legit changé de jeu, les gens. Genre, c'est plus le... Oh! Mais c'est vraiment trop bien ce qu'ils ont réussi à faire avec ce jeu, mais franchement... Attends, donc si je comprends bien, si je récapitule depuis le début, en fait, le gars, il joue à un jeu, en fait, dans son téléphone. Genre, la fille avec qui elle parlait, bon, c'est un jeu genre virtuel, petit truc, jeu de petit ami et tout, le genre de conneries qu'on peut trouver sur Internet, tu vois. Et, bah, il s'avère que là, maintenant, il se trouve dans le jeu. Comment c'est possible? Bonjour. Bonjour. On est littéralement dans la chambre de... Waouh, elle a un magnifique PC à la vie. On est littéralement dans la maison de la meuf. Du coup, ça veut dire qu'elle doit être quelque part par ici, non? Ok, donc là, on a la salle de bain. Mais c'est juste magnifique, les gens. Vous avez vu un peu cette DA? Waouh, je suis... je suis subjugué par la qualité graphique de ce jeu, quoi. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. D'accord. Donc... Par contre, je peux pas sortir, d'accord. Je me retrouve chez elle en ce moment. Ok, donc là, j'imagine que c'est la cuisine. Ok, ça, son appartement est assez joli. Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ok, donc bonjour. Y a-t-il quelque chose de particulier que je suis censé faire? Avec quoi est-ce que je peux interagir? Quoi? Attends, j'ai pas envie de faire des conneries. Exécuter le programme pour mettre à jour. Version du jeu dépassée. Quoi, je dois mettre à jour le jeu? D'accord. Trouver les objets et poser... Trouver les objets posés à côté du scanner. Apporter les objets au scanner. Quel objet? Ben, il me faut quel objet? Ah, d'accord. Cuillère. Cuillère, ça peut être forcément de la cuisine. Donc je vais aller chercher de la cuisine.
Je vais aller chercher la cuisine. Où est la cuisine? La cuisine est où? Je suis bête, je suis carrément dans la cuisine. Je me pose la question, où se trouve la cuisine? Jérémy. Ok, j'ai trouvé la cuillère, donc je vais rapporter. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une cuillère pour mettre à jour un jeu, tu sais? Bon, tu forces pas à comprendre la logique, Jérémy, c'est comme ça. Je vais mettre la cuillère. Ok, donc un stylo. Un stylo, ça doit forcément se trouver dans les parages, hein. Ouais, forcément, il y a. Non, c'est pas. Le stylo se trouve pas là. Le stylo se trouve là, ouais, dans les parages. Récupère le stylo. Ok. Je vais placer ça là. Et enfin, je sais pas ce que c'est. Voyons voir. Un chouchou. J'imagine qu'un chouchou, on doit forcément trouver ça dans la salle de bain, hein, tu sais. Ouais. Ouais, visiblement dans la salle de bain. Ok, récupère le chouchou. Et allons-y placer ça sur le scanner. Ok, il y a une petite baisse de framerate là. Ok. Appuie maintenant sur le bouton. Là, quand j'appuie sur le bouton. Prêt à lancer. Ok, on va mettre à jour la version du jeu. Ok, lancement, chargement de la version 1.9. Ok. Portail activé. Portail, quel portail? Un portail. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Remettre le courant à la porte d'entrée. Je sais pas fou les gens. On a legit vu quelqu'un se déplacer par là, on est d'accord, non? Il fait tout sombre d'un coup. Je vous avais prévenu que c'était un jeu d'horreur, hein. Tu sais, c'est un peu comme genre les mêmes conneries qui nous font croire là de Kilo Kilo Literature Club là. Genre, ils te font croire que. Ouh, il fait tellement sombre. Ils te font croire que c'est un jeu tout mignon. Après, ils te balancent dans une atmosphère qui. Derrière les vidéos sur Doki Doki Literature Club, il faudrait que je pense à les poster à un moment donné. Hein. Parce que franchement, le jeu est devenu très très hardcore après. Hein. Je m'y attendais tellement pas. Le jeu est devenu sombre et ça. Les dix, ça fait flipper. Mais. Waouh. J'ai pas vraiment remis le courant, tu vois, parce qu'il fait toujours sombre. Ok, ça c'est cré. Et me regarde! Ça c'est creepy. Et me regarde! Qui es-tu? Je sais pas. Aucune batterie. Comment ça, aucune batterie? Où est-ce que tu veux que je trouve les batteries? Ne me vois-tu pas? Non. Qui fait du bruit? Non, je te vois pas. En fait, tu vois ce que moi j'essaie, de trouver en fait sont les batteries, tu vois, pour pouvoir remettre le courant. Enfin. J'arrive pas à sortir les gens. Tu veux jouer? Jouer à quoi? Je veux bien jouer, mais tu veux que je joue à quoi? Ah d'accord, j'ai trouvé une batterie. Ok, E pour prendre la batterie. J'entends les portes qui s'ouvrent. Ah d'accord, c'est les portes qui s'ouvrent. Qui es-tu? Qui es-tu? Je sais même pas qui je suis. Wow, au fur et à mesure que j'avance, ça se rapproche carrément, quoi. Où est-ce que je suis? Ça, je me fais flipper. Ça, je me fais flipper, je vous jure. Ok, récupère.
Ça devait forcément venir de la fenêtre, ce genre de bruit, non? Il y a un jumpscare auquel j'ai pas fait attention. Mais il y a des mouches qui survolent la maison, tu sais. Et il y a forcément un dernier qui doit se trouver. Ou alors j'ai toutes les batteries. Où est-ce que je place les batteries? Ah, j'en place une là, ok. Une autre là. Et une autre là. Ah, il m'en manque une. Une que j'ai pas vue. Bah c'est con parce que j'étais déjà ici, tu vois, et j'ai pas trouvé de batterie. Du coup, la dernière batterie, où est-ce qu'elle peut bien se trouver? Quelques minutes plus tard... Ah d'accord. Genre, il y avait le frigo aussi que j'avais pas vu. D'accord, l'autre batterie se trouve là. Ok, récupère là. Ok. Jusqu'à présent, il n'y a pas de jumpscare. Genre, j'ai cherché pendant longtemps la batterie. Jusqu'à présent, il n'y a pas de jumpscare. Je suis content. Ok, donc, let's go. Où est-ce que je passe dans l'autre batterie? C'est ça la bonne question, tu vois. Ah, ici. Démarre l'appareil. Ok, maintenant on va se casser d'ici. Est-ce que tout se passe bien? Wow. 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 Ok, on est revenu à la réalité, les gens. Une très belle réalité. Ne fais pas des jeux comme ça. En quoi elle a ramené, elle a fabriqué cet appareil pour m'amener jusqu'à elle. Oh, c'est une longue histoire. Ouais, enfin, contente de te rencontrer. Moi, pas tellement. Nous sommes ensemble. Sauvegarder. Mais c'est quoi ce jeu? What the fuck? Mais non! Ah, il est trop cute en fait. Bon. Je peux laisser de côté le fait que tu m'aies fait peur. Tant qu'on repart sur de bonnes bases. Donc, du coup, on est là. J'ai atterri dans un jeu. Je sais pas comment ça se passe. Es-tu Mita? C'est bien moi. Es-tu Jérémy? Ouais. Comment je me suis retrouvé dans le jeu? Laisse-moi t'expliquer. Et maintenant tu es là. Ah, c'était une explication très rapide, hein. Mais bien sûr, compris? Pas du tout. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu son sourire? Le principal, c'est qu'on soit ensemble. Maintenant. Ton sourire, par contre, il m'a fait peur, hein, meuf. Je dois faire quoi si je veux partir? Tu veux déjà repartir? Ouais. Je pense que ça devrait être possible, mais... Et moi alors? Restons ensemble. Est-ce que cet ordinateur fonctionne? Qu'est-ce qu'il est décoratif? Ou est-ce qu'il est décoratif? Bien sûr qu'il fonctionne. Tout ce qui est ici fonctionne. Donc ça veut dire que je peux l'utiliser? J'utilise souvent mon ordinateur pour travailler. Je sais. Et à cause de ce travail, tu as si peu prêté attention à mon égard. Disons que j'ai besoin de quoi vivre. Et comment tu sais ça? La caméra du téléphone s'allume parfois. Désolé, mais j'ai jeté un œil. Tu sais, c'est pas très bien de faire ça. Enfin, c'est pas grave. Et c'est comme ça, les amis, que vous ne devez toujours penser à
Je sais que la plupart des gens, vous devriez penser à laisser votre téléphone. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vous espionnent à travers votre caméra en mode. Ah, toi, c'est le truc qui m'a fait peur hein, la dernière fois. Je pense que je la connais. C'est Anita dans le jeu. Oui. Je connais pas. J'ai pas la ref, les gens. Je me souviens que l'histoire du jeu n'est pas terminée. C'est ça. À cause de la faible expérience des développeurs, le résultat était décevant. Elle est jolie. Par contre, il y a beaucoup de bruit dehors. Hein. Sans les enfants qui sont en train de gaspiller ma vidéo là avec leur bruit. Ok. Bon. Bah. Écoute. Pourquoi le miroir ne reflète rien? Ah ça. J'ai oublié d'activer la réflexion. Et voilà. Maintenant, il reflète quelque chose. Oh, tu sais. Je ne savais même pas ce que c'était. Il n'y en avait pas dans mon monde. Jusqu'à une certaine mise à jour. Il y a tant de réflexions que ça dans ton monde. Il y a tant de réflexions que ça dans ton monde. Oui, évidemment. Oh. Wow. J'ai une... vous avez vu ma dégaine? J'ai vraiment une tête de manga. Bon, du coup, maintenant qu'on est là, moi je vais me casser. Hein. Elle me fait un peu trop peur. C'est la télé? Celle que je t'ai achetée? Yep! Tu as dit qu'elle était cassée. Je voulais juste te faire une surprise. Pour te faire venir ici. J'avais besoin d'une petite télé pour ça. Et maintenant, elle achève des informations. Et au passage, oui. Je suis un peu ingénieur. J'ai vu ça. Parce que moi, je serais pas capable de faire ça, même avec toute l'intelligence que j'ai. Tu as apporté trois choses sur ce scanner. Eh bien, ces choses sont en lien avec cette version de ce monde. Et maintenant, tu es ici. Genre, tu veux parler de la cuillère, le chouchou et le truc que j'ai déposé là? Elle est trop cute. Je comprends R à ce jeu, mais en tout cas, c'est intéressant. Oh tiens, un téléphone. Mon téléphone. Il avait disparu de ma poche. Tu es un peu trop proche là. Comment as-tu atterri ici? Ça n'a pas d'importance. Attends, j'ai une idée. Prêt pour prendre un selfie? Cheese! Regarde ça. Quelle photo? Garde-la en souvenir. J'ai une question. Si je lance le jeu sur mon téléphone, maintenant, je t'y verrai? Personne ne sera là. Ok, bon, tu étais un peu trop près là. Voyons voir. Combien de chaînes de télé sont accessibles ici? Ce n'est pas une télévision par satellite ou par câble. Ça passe par internet. Ah, du coup, je peux regarder tout ce que je veux. Donc, tout ce que tu peux regarder sur internet est disponible ici. Attends. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Des chatons. Oh, regarde. C'était quoi ce que j'ai vu tout à l'heure? Tu sais? Attends.
Tu veux du jus? Pourquoi pas? Comment j'ai fait ça? Oh, assez délicieux. Et à la fois sans saveur. C'est difficile à expliquer. Drôle de publicité. Le jus est mort? C'est ça. Et le jus provient du jus. Tu me fais flipper. Je veux rentrer chez moi. Vos petites amies aussi, elles vous parlent comme ça, les gens? Non. T'approches pas trop. J'ai les dites peur. Pourquoi tu as besoin d'une seconde télé? Ah, et celle-ci est vieille. Tu ne l'aimes pas? Je peux l'enlever d'ici. Mais sinon... C'est juste pour faire joli. Ça décore la cuisine. Bon, c'est vrai que ton appart est magnifique, quoi. Et puis, elle fonctionne. Tu peux regarder. Lunetune. J'ai pas la ref, les gens. C'est quoi Lunetune? Bon, je peux pas aussi changer. Donc, laisse béton. Tiens, qu'est-ce que c'est? Une anneau. Est-ce que je peux la récupérer? Non, je peux rien faire avec. Meuf. J'ai même oublié comment elle s'appelle. Mita. Oui, Mita. Tu as faim? Cuisinons quelque chose. Ensemble, d'accord? Oui, d'accord. De toute façon, on a déjà cuisiné une soupe au poulet tout à l'heure, donc... Là, aide-moi avec les carottes. D'où viennent les légumes? Je veux dire, juste à l'instant, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien, c'est vrai, il n'y avait rien. Jérémy, nous sommes dans le jeu, tu te souviens? Allez, aide-moi. D'accord, j'ai pas envie de comprendre ta logique. Hein. Ok, je vais couper tes carottes, comme dans un jeu. Ok, donc... Ah, je fais ça avec direction. Direction bas, direction haut, direction bas, direction... En fait, direction haut, direction bas, direction haut, direction bas. Direction haut, direction bas, direction haut. Ah, d'accord. C'est une façon assez bizarre de couper des carottes. Et ma mère qui disait que je savais pas faire la cuisine. Tu pourrais aller chercher les ciseaux? Ils sont dans la salle de bain. Pourquoi t'as besoin des ciseaux? Ce jeu est creepy, les gens, je vous jure. Mais elle a une chambre assez magnifique, hein. La vie. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Inspecter. Denis. Comment ça, Denis? Il y avait plusieurs cassettes avec plusieurs noms. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je peux pas regarder. Pourquoi c'est des cassettes avec plusieurs noms de... J'ai aussi vu un Ryan quelque part. Oh non, les gens. Je ne suis pas le premier à être venu ici. Les ciseaux sont là. Je ne suis pas le premier à être venu ici, en fait. La fille, elle est folle. Elle veut me séquestrer. Non, Jérémy, il faut mettre le prochain. Ça va te tuer. Genre, t'as fini de la cuisine à une de ces vitesses. Ok, je vais m'asseoir. Je vais d'abord te parler des cartouches, par contre.
Quelque chose ne va pas? Bah ouais. J'ai trouvé des cartouches dans le conduit d'aération. Elles avaient des étiquettes sur elles. Qu'est-ce que c'est? Des cartouches? Quel genre? On verra ça ensemble. Mais un peu plus tard. Elle esquive la question, disons. Commençons par manger. Donne-moi les ciseaux. Pourquoi est-ce que t'as besoin des ciseaux? Tu veux de la sauce? Pourquoi est-ce qu'on me donne seulement le choix de refuser en fait? Quoi, j'ai pas le choix d'accepter? Non, non. Dommage. Avec un peu de sauce, la nourriture a meilleur goût. On peut discuter avant de manger. Jolie maison. Assurément. Et tu peux rester ici, ça me dérange pas. Et au contraire, je préfère ça. Ah, son sourire me fait peur, les gens. Tout est comme dans un rêve. Tu comptes t'enfuir et tout oublier? Bah oui, je vais m'enfuir. Non, comment ça, non? Je me dis juste que tout semble tellement irréel. C'est coloré. Mais tu sembles vraiment réel. Juste simple? Bah, t'es pas réel. Mais je suis réel, idiot. Ah. Pourquoi on ne peut pas voir l'extérieur? C'est une fonction de mon monde. Ça peut te sembler étrange, mais tu ne verras pas ce qui se trouve au loin. Je ne pense pas que ça se remarque tant que ça. Bon, c'est vrai que j'ai pas vraiment pris attention. Ça rend bien. Yep. Ça permet d'éviter de laguer. Laguer? Ça veut dire bugger, en gros. Il y a des bugs. J'espère que tu ne tomberas pas dessus. Bah oui, tous les jours des bugs, hein. Je vis la même chose tous les jours avec mes vidéos, tu sais. Pourquoi tu as besoin de ciseaux si tu as un couteau? Des ciseaux et un couteau? Je peux aussi ouvrir le sachet avec un couteau, bien sûr. Mais je voulais que tout soit prêt pour ton retour. Mon retour? De façon à ce que tu ne vois pas les préparatifs. J'aime faire des surprises. Yep! Quand est-ce que je pourrais rentrer? Tu as le mal du pays? Pourquoi? Mais c'est pas chez moi ici! C'est si chaleureux et agréable ici. Et il y a moi. Non, non, non. Je suis heureux de rester avec toi, mais je suis inquiet que j'aurais pu oublier de faire quelque chose chez moi. Je suis soudainement ici et sans m'y être préparé. Et toi, c'est la seule réaction que toi tu aurais. Je n'y ai juste pas pensé. Attends, c'est la seule réaction que toi tu aurais, parce que genre moi, je suis en train de jouer à un jeu, et directement je me retrouve plongé dans le jeu, mais je serais pas calme comme toi, frère. Il y aura un léger problème là. Bon appétit. Prends le temps d'apprécier ton repas. Ah, j'ai déjà fini quoi. Merci. Tu as pu tout finir? Pour moi, mon plat semble sans fin. Bah écoute, j'ai plus rien à faire ici, du coup je peux me lever. Bah continue à manger. Mettre la vaisselle dans l'évier. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ne me dis pas que le jeu a une baisse de framerate. Ah non, 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 en fait c'est dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce que tu vois et ressens. Je comprends pas ce que tu dis. Quoi? Ma vue est complètement brouillée. Ok, je sais ce qui ne va pas avec toi. Guéris-moi alors. Bah, essaye de marcher. Oui, je peux essayer de marcher. Je vois que... Sœur, je vois rien. Qu'est-ce que c'est? Des pilules. Tu te sentiras mieux presque instantanément. Tiens-toi devant le miroir. Prends les pilules. J'ai pas confiance. D'accord, je prends... Pourquoi tu attends? D'accord, je prends les pilules. Je disais ces médicaments. Alors, comment ça va? Tu te sens mieux? Oui. Mais comment ça peut agir aussi vite? Jérémy, on est dans le jeu. Et tout est très simple. Tu fais le moindre effort. Et le résultat est souvent bien plus important. C'est un des principes d'un jeu. La simplicité. Bah non, il y a des jeux qui sont quand même hyper durs, hein. T'as essayé Dark Souls? Les carottes. Tu en coupes une. Mais trois seront préparées d'un coup. Écoute, tout ça arrive si soudainement. Cette situation me fait vraiment peur. Moi, j'aurais crié le plus loin de toi, hein, frère. Mita. Trouvez Mita. Des débuts de l'étrange. Se veut garder. Mita. Ma chère petite copine Mita. Ma petite amie virtuelle, où est-ce que tu es? C'est quoi cette arnaque? Genre, les pièces n'étaient pas comme ça, il n'y avait pas une porte ici avant. C'est quoi cette arnaque? Genre, pourquoi c'est la chambre est maintenant ici? C'est quoi cette arnaque? Ah, elle est là. Mita. Oh, tu es déjà réveillée? Comment ça, déjà réveillée? Comment es-tu arrivée ici aussi vite? Tu étais là pour moi. Tu étais là pour moi? Non. Tu étais figé devant le miroir. Je suis parti. Qu'est-ce qui est arrivé aux pièces? Je les ai réarrangées. Comme ça, elles te seront plus familières. C'est-à-dire, les pièces ne sont plus en ligne. Mais telles qu'elles sont censées être. Ce n'était pas nécessaire. Ouais, moi j'aimais bien l'autre style. Je veux dire, j'y suis habitué. Je pense que tu t'y sentiras plus à l'aise comme ça. Bah écoute, c'est gentil. Merci Mita. C'est quoi cette arnaque? Dans quel mois je me suis retrouvé, les gens? J'arrive pas à sortir. Qu'est-ce que... Ça arrive. La pièce n'a pas le temps de charger. Mais on est littéralement dans un vrai jeu, les gens, vous savez. Lorsque, genre, tu essaies de rentrer quelque part et tu vois, il y a écrit temps de chargement. Genre, c'est étrange. On est dans le téléphone de quelqu'un. Et ce téléphone serait aussi long à charger? Non. C'est juste que tout n'est pas parfait dans ce monde. Et nous sommes vivants grâce au cœur de ce monde. Cœur? Typique, hein? On peut jouer avec la console?
ou jouer aux cartes. Choisis ce que tu préfères. Jouer avec Mita. Eh bien, écoute, on va jouer à la console, hein. Parce que c'est logique, je suis dans un jeu, du coup... W, E, A... Quoi? N'oublie pas que moi je suis en couverture et E pour frapper. Tu dois gagner. 4 fois. C'est peut-être un jeu. Laisse-moi commencer. Je vais y aller doucement. C'est peut-être un jeu, mais je vais... Mais je vais te niquer. C'est quoi ce jeu? Aïe. Nya, nya, nya. Nya, nya. Nya, nya. K.O. Bien joué. Maintenant, accroche-toi. Ça va chier. Ça va chier. Ça va chier. Merde. Je vais te défoncer. Merde, elle me défonce, elle me défonce, elle me défonce, elle me défonce. Non, je lui défonce, je lui défonce, je lui défonce, je lui défonce, je lui défonce. Je vais te défoncer. K.O. Wow. Ok, maintenant, je deviens sérieuse. J'ai l'impression qu'elle augmente de level à chaque fois, tu vois. Merde. Non, non, non. K.O. Ah, toi. Peux-tu me battre maintenant? Elle est passée en mode professionnel, les gens. Merde, mais... Non. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas intéressant? Elle est passée en mode professionnel, les gens. Mais... Non. Mais je me fais niquer. Bon. Ça, c'est fait. Fatality. Mais je souhaite me faire niquer. Merde, mais elle est en train de me niquer. Concentre-toi sur le jeu où tu resteras un loser pour toujours. Non. Non, je vais pas perdre. Je vais pas perdre. Je vais pas perdre, mais non. Oh, vraiment? Je t'ai fait sortir tout en liquide blanc. Tu n'avais qu'à t'y mettre plus sérieusement. Mais c'est qu'elle se moque de moi en plus. C'est pour ça que ça marche toujours pour moi. En fait, une revanche. J'étais pas... Très bien. Allons jouer aux cartes, d'accord? Dans ma chambre. Non! On fait une revanche! Je... Ok, d'accord, vas-y, joue au cap. Bon, je suis fair play. Tu as bien joué. Bravo. Félicitations, Mita. Je suis fier de toi. Ok. Putain, désolé. Qu'est-ce que tu manges? J'avais oublié que le salon, la chambre était par là, tu vois. Qu'est-ce que tu bouffes? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu dans les commentaires, hein, les gens. Qu'est-ce que tu bouffes? Ouais, manger un biscuit. Bah écoute, on va jouer au cap. Alors? On commence le jeu? Je vais t'expliquer rapidement. L'icône donne le type d'action. Par exemple, le cœur. Lorsque tu poses une carte, si tu as davantage de coups, si j'ai davantage de cœur sur ta carte que j'en ai, tu gagnes. Prends les cartes. J'entends des bruits dans le placard. Maintenant, c'est mon tour. Je suis pas fou, les gens, j'entends vraiment du bruit. Je commence. Bah
écoute, W, voir les cartes. Ah non, j'avoue bien que j'étais en QWERTY, en fait, ça veut dire que W, c'est... Et je joue comment? Ah, je suis bête. Donc, hey, elle a joué une carte, donc du coup, moi, je vais jouer... Bah, je vais te jouer toi. Je suis Victor. Je suis bête en fait parce qu'elle a dit que Jérémy Baka. Elle a dit que si tu as plus de cœur qu'elle ici, bah je prends ça. La victoire est à moi. Action de défense. Mais c'est quoi ce Binks? Comment ça elle gagne? Je vais jouer ça. La victoire est à moi. Action d'attaque. Mais c'est quoi c'est quoi ce jeu à la noix? Ok, je vais te jouer toi. J'entends vraiment des bruits dans le placard, je sais pas fou. Égalité, action de défense. Il y a vraiment... c'est quoi ce son là-bas? Ça vient du placard. Un son? Quel son? Tu n'as entendu aucun son? Si! On dirait qu'il y a quelqu'un qui frappe dans le placard. Dis-moi à quoi ressemble ce son. Bah, c'est comme si quelqu'un frappait à la porte. Mais il n'y a personne là-dedans. Tu es sûr? Je veux vérifier. C'est vraiment étrange. Pourquoi? Encore. Comment ça encore? Mita, tu me fais peur. Ouvrir. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il y a... des sous-vêtements là-dedans. Tu caches quelque chose? Pourquoi ne me crois-tu pas? C'est pas... Qu'est-ce que je fais de mal? Je veux juste que... tu sois avec moi. J'aimerais pouvoir te le promettre, mais... que va-t-il se passer ensuite? Pourquoi te sens-tu si attiré par le placard? Je veux juste savoir ce qui produit ces sons. Juste. Ce monde. C'est juste ces quatre pièces. Ce n'est pas suffisant pour toi? Ne peux-tu pas juste essayer de rester avec moi? Ah, l'option rester est bloquée. Bah du coup je vais refuser. De toute façon j'allais refuser aussi. Je veux pas rester avec toi. Tu me fais peur. Je comprends. Encore. Si tu veux savoir ce qu'il y a là-dedans, alors tu vas le découvrir maintenant. Merci d'avoir essayé la version démo du jeu. Le jeu est actuellement en développement, l'histoire est déjà écrite, il vous reste beaucoup de choses à découvrir. Mais nous souhaitons ajouter davantage d'interactions afin d'enrichir l'univers. Vous pouvez suivre à l'avancée du développement et même nous soutenir sur Boosty. Ok, donc la démo c'est juste 15% du jeu. On a fait 15%. Wow, c'est juste incroyable les gens. Wow. J'ai beaucoup aimé. Je t'ai fait plus de clin d'œil là. Pas après ce que j'ai découvert. Ok, félicitations, le jeu est terminé. La partie a duré 45. Bon, bref, vous avez compris. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié de découvrir avec moi.
bye, ça aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un maximum de pouces bas, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé l'univers. Parce que au début, c'était juste un jeu. Genre, je jouais sur mon téléphone. Je m'attendais parce que ça puisse changer de gameplay aussi vite. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé. Et si c'était le cas pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un maximum de pouces bas, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me répète, mais bon, c'est la vie. Moi, je vous souhaite à la prochaine. C'était Jérémy Cortez pour vous. Ciao!